that in itself was a bit of a difficult time. You'd wake up in the morning feeling you didn't want to get out of bed, you felt misunderstood, and just very, very low in yourself. Was this completely out of character for you? Yes, very much so. I've never had a depression in my life. Nous allons parler de Lady Di, de son histoire et de sa mort tragique. Diana Spencer est née le 1er juillet 1961 à Norfolk, au Royaume-Uni. Ses parents sont Frances Burke Roche et Edward Spencer. C'est une des plus anciennes familles aristocratiques et leur sang royal remonte jusqu'au Moyen-Âge. À cette époque-là, Edward Spencer est le 8e comte Spencer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner son titre et son argent à une fille. Et avant Diana, ils ont eu déjà 2 filles. Donc Diana est arrivée en comprenant malgré elle la déception de ses parents à être là, à être née. Et donc elle va construire sa personnalité en tant qu'enfant sur une déception paternelle. Edward Spencer est un ancien militaire et en plus il travaille pour la famille royale. Malgré le fait qu'elle grandisse avec pas mal de traumatismes, notamment qu'elle ait vu ses parents se battre, des violences conjugales, elle grandit dans ce royaume, dans ce château assez vaste, avec beaucoup de nature, et c'est quelque chose qu'elle va très vite apprécier, et elle va passer beaucoup de temps dans la nature pour en soi éviter la vie de famille. 3 ans plus tard, la mère de Diana va enfin donner naissance à un garçon qu'elle va appeler Charles, et Charles et Diana vont tout de suite avoir une très forte connexion. Et en général, les enfants Spencer s'entendent à merveille, comparé aux parents dont la relation se dégrade. Diana n'a que 8 ans quand ses parents décident de divorcer. Elle gardera malgré elle en mémoire la relation compliquée et conflictuelle de ses parents. Elle sera toujours cruellement en manque d'affection, même quand son père va se remarier. Elle va arriver à cacher parfaitement ses émotions tout en agissant comme on lui demande. D'ailleurs, Diana et sa belle-mère, la nouvelle femme de son père, parce qu'elle pense en un sens qu'elle est en train de remplacer sa mère, mais aussi qu'elle est en train d'éloigner son père de ses enfants. Très vite, Diana quitte la maison familiale pour s'installer à Londres avec 3 de ses amis. C'est sûrement la période la plus calme de Diana Spencer, car à ce moment-là, elle ne fait que s'amuser avec ses amis, elle enchaîne les petits boulots, jusqu'à arriver en tant qu'assistante maternelle dans une école du coin. Elle va découvrir à ce moment-là ce que le monde remarquera quand elle apparaîtra pour la première fois en tant que princesse. Elle a une sorte de magnétisme qui attire, qui fascine ceux qui l'entourent. Et elle arrive à calmer les esprits avec un regard, une parole, que ce soit adulte ou enfant. D'ailleurs, à ce moment-là, elle adore les enfants et elle rêve de devenir danseuse ballet. Et en parallèle, nous avons le prince Charles qui a à ce moment-là 32 ans, qui est donc héritier à la couronne et qui cherche, enfin pas lui, mais sa mère et son oncle cherchent activement pour lui une femme qui arrivera à rentrer dans les critères royaux. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, Charles court après plusieurs femmes, beaucoup de femmes, tout le monde a envie de sortir avec le prince. Mais il ne faut pas oublier que la famille royale cherche la personne qui pourrait être parfaite pour une princesse de Galles. Donc il faut qu'elle soit britannique, anglicane, vierge, sans passé douteux et également aristocrate. Donc à cette époque, il est en relation avec une fille qui s'appelle Camilla Parker Bowles, je ne sais pas, j'espère que je le dis bien. Et il se sent extrêmement bien avec elle, car c'est tout le contraire de la famille royale. Donc il était impossible pour lui d'épouser Camilla,
Déjà parce qu'elle n'était pas aristocrate, et puis qu'elle avait un passé beaucoup trop flou aux yeux de la famille royale. Donc il faut savoir que Charles n'a pas vraiment eu une vie douce, si je puis dire ça comme ça. On dit de lui qu'il a été assez tourmenté parce qu'il a toujours été rejeté par son père et intimidé par sa mère. Et qu'en plus de ça, il a toujours été conscient de ses obligations de prince. Donc en soi, il est assez sérieux, assez mesuré. Et d'un autre côté, il attend que tout le monde se plie à lui, en fait. Et sa mère, de plus en plus, va le trouver dangereux politiquement. Dangereux parce que la famille royale ne se mêle pas à la politique, ou en tout cas ne veut pas se mêler à la politique. Et certains vont me critiquer car ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un mariage des héritiers, on ne les voit pas arriver à ce moment-là. Donc c'est sa grand-mère, la reine-mère, qui va prendre les choses en main. Elle va alors lui présenter la petite fille de sa dame de compagnie, Diana Spencer. Et à ce moment-là, elle parle d'elle comme une English Rose, c'est-à-dire littéralement un produit qu'on peut acheter sur un catalogue les yeux fermés. À ce moment-là, le prince Charles hésite encore, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore sur Camilla, il n'a pas vraiment envie de se marier avec quelqu'un d'autre, mais il va recevoir une lettre du prince Philippe qui va lui ordonner, pour le bien de la royauté, de se marier avec princesse Diana, qui n'était pas une princesse à ce moment-là. Et comme il prend cette lettre comme un ordre, il va le faire. Mais évidemment, avant d'accepter, il va quand même en parler à Camilla, qui va tout de suite le rassurer en lui disant que ce mariage, c'est l'événement qu'il leur faut pour continuer leur relation discrètement. Déjà bien avant leur mariage, Diana va intercepter plusieurs cadeaux du prince Charles pour Camilla. Et d'ailleurs, la sœur de Diana, qui est déjà sortie avec le prince Charles, l'a déjà prévenue de ses nombreuses infidélités. Mais à ce moment-là, elle ne faisait qu'entrevoir le problème avec Camilla. Il arrivait souvent qu'elle éclate en sanglots devant les journalistes. Et à ce moment-là, le prince Charles et les gardes du corps, je pense, étaient censés la ramener jusqu'à la voiture pour la faire évacuer. D'ailleurs, la veille de leurs noces, Charles va la passer avec Camilla. Un siècle. Quand Charles et Diana se marient, cela faisait un siècle qu'un prince de Galles ne s'était pas marié. Déjà avec ce contexte, ça promettait d'être gros. L'union entre les deux se fera le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Il y a pas moins de 300 000 personnes invitées, dont toutes les têtes couronnées d'Europe, sauf le roi d'Espagne qui, pour des raisons politiques, n'est pas venu. Sans compter que le mariage a été retranscrit en direct à la télévision devant plus de 750 millions de téléspectateurs. Pour l'occasion, Diana apparaît avec une robe magnifique faite par Elisabeth Emmanuel, dont la traîne mesure plus de 8 mètres de long. Pour un conte de fées, c'est un conte de fées. Après leur mariage, ils se présentent sur le balcon de Buckingham pour se montrer à la foule et ils s'embrassent sur ce balcon. Et ça va faire naître une sorte de tradition qui va se répéter au fil des mariages. Elle décrit le jour de son mariage comme le jour le plus confus de sa vie. Et elle dit de sa lune de miel:
Ce fut une excellente occasion pour rattraper mon sommeil. Et en fait, pendant la lune de miel, Charles va préférer passer son temps avec les 300 personnes invitées sur le bateau, que ce soit personnel ou invité, plutôt que d'être avec Diana. Donc évidemment, Diana, elle va passer, je sais pas combien de temps ça dure exactement, mais elle va passer sa lune de miel à dormir. Et d'ailleurs, après la lune de miel, Diana va jouer de ses talents d'actrice pour faire croire qu'ils sont le couple jeune marié le plus heureux de tous les temps, devant les photographes, devant la presse. Et Diana sourit à pleines dents. De retour sur la terre ferme, la jeune mariée, bon petit soldat, accepta de jouer une nouvelle scénette de la comédie du bonheur et révéla à cette occasion ses talents d'actrice, offrant aux photographes les images qu'on attendait d'elle. Photogénique à souhait, elle apparut si souriante qu'aujourd'hui encore, en la voyant radieuse, on peut se prendre à douter du mal-être profond qui était le sien et de l'omniprésence de Camille. Derrière son sourire, elle est très mal à l'aise et c'est pas pour rien parce qu'elle va continuer à intercepter des lettres ou des cadeaux entre Camilla et Charles. Notamment cette histoire de bouton de manchette qui a fait, je pense, le tour de toute la presse royale. Donc à ce moment-là, elle comprend bien que Charles pense plus à Camilla qu'à sa nouvelle femme. Et en même temps, Charles avait 32 ans, Diana avait 19 ans. 19 ans! Je peux pas imaginer si c'était, entre guillemets, son rêve. Parce qu'il faut pas se mentir, elle a toujours voulu être une princesse, avoir une couronne, être dans un château, ça, on l'a toujours su, en plus d'être danseuse. Mais là, on s'est joué d'elle, mais alors, on la voulait pas pour être une princesse, on la voulait pour que Charles soit bien vu. Enfin, bref. C'est normalement la reine-mère qui est censée apprendre les us et coutumes à Diana et tout simplement de s'occuper de son arrivée, de s'occuper d'elle en tant que nouveau membre de la famille royale, ce qu'elle n'a jamais fait. Et de ce fait, Diana a eu beaucoup de mal à intégrer les règles et de toute manière, la famille royale en général met un point d'honneur, on dirait, à ne pas communiquer. La communication, ils connaissent pas. Donc Diana va commencer à avoir des crises de larmes et au fil des semaines va commencer à faire des crises de boulimie. Alors évidemment elle en parlera à Charles, ou en tout cas Charles va le voir, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais Charles a une mentalité qu'il a prise de l'armée, exactement « never complain, never explain ». Donc ne te plains pas et n'explique pas ton mal-être, en gros. La reine a quand même fait appeler des psychologues en secret, mais en voyant que ça ne s'arrêtait pas, elle a pensé que c'était les journalistes et la popularité de Diana qui jouaient sur ses nerfs, et elle a demandé à ce que les journalistes leur laissent une pause, la laissent tranquille, quoi. Mais malheureusement, c'était trop tard pour Diana et son mal-être. C'est à peu près là que va s'arrêter le conte de fées pour Diana. La popularité de Diana va grandir et l'engouement autour d'elle va se faire de plus en plus général. Et ce, à chaque fois qu'elle sort, ce qui va énerver le prince Charles. Mais il ne va pas faire grand-chose car il se dit que quand ils seront mariés, quand ils vont devenir rois, quand ils vont se marier et que Charles deviendra roi, elle n'aura pas d'autre choix que de lui laisser la place devant les projecteurs. Parce que ce sera lui le roi. Il va se concentrer sur donner des héritiers au trône. Ce qu'il va faire, évidemment. En attendant, Diana devient la troisième femme la plus importante du pays. Juste après la reine et la reine-mère. Elle devient très rapidement populaire et les autres l'admirent pour sa sympathie et sa beauté. Et en revenant sur les héritiers au trône, Charles disait souvent qu'il en fallait deux. Il en fallait toujours un de rechange. Ça me brise le cœur de dire ça. Donc quand Diana annonce sa première grossesse, c'est un soulagement dans la famille royale. Mais Diana ne se sent toujours pas à l'aise, toujours pas entendue, elle se sent toujours très seule. Et elle a l'impression d'être utilisée
pour cet enfant, pour que voilà, pour la famille royale. Et elle ira jusqu'à sauter des escaliers, se jeter dans les escaliers, enceinte, pour témoigner de sa colère et de son mal-être. C'est donc en 1982 que Diana et Charles donnent naissance à leur premier garçon, le prince William. 2 ans après, le prince Henry, surnommé Harry, vient au monde. La reine et le prince William sont extrêmement satisfaits de cette union. Néanmoins, le jeu d'acteur continue pour Diana, toujours souriante devant les caméras, pendant que Charles continue à voir Camilla. Et maintenant que la princesse a donné 2 héritiers au prince Charles, on peut penser que la popularité de Diana va tout doucement laisser la place au prince Charles et à la représentation qu'il attendait. Malgré elle, Diana est devenue une star montante, et l'est toujours à ce moment-là. Et elle a pris conscience que les gens venaient la voir, elle et non Charles. Seulement voilà, se produisit alors quelque chose que personne n'avait prévu et certainement pas l'intéressée elle-même quand elle épousa son bonhomme de mari. En quelques années, Diana était devenue une star. Ou plutôt, en quelques années, elle avait changé de statut. De star essentiellement locale, comme le prince Philippe ou les autres membres de la famille royale, à l'exception de la reine, elle était devenue star planétaire. Et quand elle en a pris conscience, chaque changement de style vestimentaire se faisait remarquer par le public et elle en vient même à prendre un coach et un entraîneur pour se donner un peu plus d'allure en public. Et autant dire que Charles devait supporter les compliments qu'on faisait à sa femme en public devant lui. D'ailleurs, ça l'énervait beaucoup, il était sur les nerfs dès que quelqu'un complimentait sa femme devant lui. C'est notamment à travers son style vestimentaire que Diana va commencer à s'imposer, notamment dans un style toujours plus osé. Mais Diana, elle aime la vie, elle aime rencontrer des stars, surtout les stars de son époque. On la voit notamment avec Michael Jackson ou Freddie Mercury. Elle aime être vue, elle aime danser, elle aime la mode, bref, elle aime profiter de ce que lui offre la vie. Mais Charles est plutôt du genre à se retirer dans sa petite maison de campagne, à l'abri des regards. Et là, on comprend que ça va être compliqué de cohabiter pour le couple. Donc même si Diana est aristocrate, elle n'a jamais réussi à s'habituer aux règles du protocole royal. Elle voyait ses restrictions comme un frein à ses libertés personnelles, et elle en souffrait, car on lui rappelait sans cesse ce qu'elle devait faire et ce qu'elle devait être. Même si elle essayait de jouer le jeu pour la famille royale, on voyait bien quand elle était triste, quand elle était contente devant les journalistes. Elle savait établir le contact avec les gens, avec ceux qu'elle avait en face d'elle. Et aussi, elle ne voulait pas rester derrière la vitre à dire bonjour, elle voulait entrer en contact avec ces gens-là qui l'adoraient, qui parlaient d'elle, qui la complimentaient tous les jours. Et elle voulait se sentir utile aussi. Elle était notamment très attentionnée envers les gens fragiles et très empathique. Elle fait agrandir la liste des opérations charitables de la royauté. Elle va notamment à la rencontre des lépreux en Inde, et aucune princesse avant elle n'avait fait ça. La reine pensait qu'en arrivant, Diana agirait comme toutes les autres femmes de la famille royale. Elle pensait qu'elle tairait les infidélités de son mari. Ce qui n'est absolument pas le cas de Diana, qui a autre chose en tête. À ce stade, Diana se moquait pas mal des conséquences. Les deux souffraient énormément de leur mariage. Ils ont commencé une guerre médiatique dans les années 90. Pour ce qui était de la famille royale, tout passait par les médias, par la presse. Et cette guerre montre que Diana était prête à faire trembler la royauté, parce que personne ne l'écoutait. Il y a notamment un événement qui a marqué l'histoire du couple. Ça se passe en Inde, et le couple devait poser devant le Taj Mahal, le symbole de l'amour, le symbole des couples. Et quand Diana est arrivée, elle était toute seule. Voilà. Le prince l'a laissée toute seule devant le Taj Mahal, avec évidemment toute la presse qu'il y avait, parce que la presse était au courant de leur voyage en Inde. C'était assez humiliant pour Diana. Et comme je l'ai dit, elle ne va pas en rester là, elle va se venger. Notamment en refusant un des baisers de Charles.
un match de polo de Charles. Elle va tout simplement tourner la tête au moment où il va lui faire un bisou. Donc en gros, il va lui embrasser l'oreille, ce qui était une trahison vraiment pour la famille royale. En public, devant les caméras, ça montrait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Plus tard, elle le lava elle-même en public, détournant délibérément la tête lorsque son mari, vainqueur d'un match de polo, tenta de déposer un baiser sur sa joue. La foule, ainsi que tous ceux qui accompagnaient le couple, étaient mortifiés, raconta leur ancienne attachée de presse. Et Charles, humilié d'avoir dû embrasser un bout d'oreille, semblait fou de rage. À partir de ce moment-là, Diana fera tout pour nuire à son mari. Elle va faire écrire un livre assez controversé qui parle de sa vie royale et de sa vie au château, mais sans aucun filtre. Elle va y parler de ses traumas, de sa boulimie, de ses tentatives de suicide, mais aussi de son mariage toxique avec Charles. Ce livre a été écrit par Andrew Morton en collaboration avec la princesse, mais qui a annoncé sur le moment ne pas avoir participé au livre. En fait, elle a essayé de cacher le fait qu'elle soit co-autrice du livre, tout simplement parce que c'était contre le protocole royal. Elle ne pouvait pas parler aux paparazzi, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses. Alors elle a d'abord fait croire que c'était une amie à elle qui avait parlé aux paparazzi, mais ça reste tout de même un choc pour la famille royale qui ne s'attendait pas vraiment à avoir sorti un livre aussi cru. Et le couple princier va faire un dernier voyage en Corée où Diana aura l'air triste, où elle s'effondrera plusieurs fois devant les caméras et elle sera obligée de partir avec son garde du corps pour échapper au paparazzi, je pense. En plus de ça, ils s'accusent mutuellement d'infidélité, toujours dans les magazines, toujours dans les paparazzi. Tandis que le prince Charles est toujours avec Camilla, la princesse Diana enchaîne un peu les amants, notamment avec le major James Hewitt, qui était son prof d'équitation, ou encore Barry Monarchy, j'espère que je le dis bien, je suis désolée, qui était son garde du corps. La séparation entre les deux est prononcée en 1992, et à partir de ce moment-là, les paparazzi vont changer d'attitude envers la famille royale. Et oui, à ce moment-là, les photos de Diana valent cher. Et les révélations que Diana fait aux paparazzi sur son couple vont par vagues. À partir de ce moment-là, Charles va voir arriver les correspondances entre lui et Camilla dans les médias. Et malheureusement, on arrive à un point de cette guerre où Diana est obligée de se servir des enfants. Enfin, elle est obligée. En tout cas, elle va se servir des enfants pour en faire baver à Charles, qui voit toujours Camilla. Elle va essayer de faire comprendre que ses enfants ne sont pas la priorité de Charles ou de la famille royale. C'est dans cet esprit-là qu'elle va garder ses enfants avec elle au lieu de les rendre comme il se doit à Charles pour leur tour, je pense. Je pense que ça marchait comme ça. Et certaines rumeurs à ce moment-là disaient qu'elle essayait de manipuler les médias pour faire tomber la famille royale qu'elle détestait. Et rumeur ou pas, elle avait beaucoup plus de pouvoir médiatique que la reine elle-même. Et au bout d'un moment, elle l'a compris. Elle a compris le pouvoir qu'elle avait et elle a voulu s'en servir. Et l'interview qu'elle décide de faire avec Panorama va signer son arrêt de mort. Dans cette interview, elle dit notamment que Charles n'est pas un bon roi et qu'il devrait mettre William sur le trône à sa place. Et c'est suite à ces déclarations que la reine va officiellement prononcer le divorce. La reine va prononcer le divorce le 28 août 1996. Après le divorce, elle trouve refuge dans les bras d'un médecin pakistanais, Asnat Khan, et elle est prête à aller au Pakistan avec lui pour rencontrer sa famille. Le 30 août 1997, soit un an plus tard, Diana se rend à Paris pour passer quelques jours avec son nouvel amant, Dodi Al-Fayed. Cette fois-ci, les paparazzi sont très intrusifs et énervent beaucoup Diana, parce qu'ils restent devant leur porte, devant leur fenêtre, devant leur voiture, enfin, ils ne les lâchent pas et ils les suivent où qu'elle aille. Bien évidemment, c'est toujours parce que les photos de Diana valent très très cher à ce moment-là. Et en fait, elle est tombée dans un piège qu'elle avait elle-même installé, si on peut dire.
Elle se prend un peu le retour de flamme des paparazzi dont elle avait essayé de tirer profit. Néanmoins, elle multiplie les interventions humanitaires jusqu'à prendre des risques que personne n'osait prendre avant. Notamment en allant serrer les mains de ceux qui avaient le sida, qui à l'époque, tout le monde pensait que c'était contagieux et qu'il fallait pas s'approcher d'eux, et etc. Et en fait, elle ose des choses que la cour n'aurait jamais osé. Donc elle joue aussi de cet aspect-là. Une de ses dernières apparitions publiques est à l'enterrement de Gianni Versace. Même si elle est depuis peu en relation avec Dodi Al-Fayed, qui est fils du militaire égyptien Mohamed Al-Fayed, on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'était pour provoquer la reine ou non. Parce qu'il faut savoir que Mohamed Al-Fayed critiquait ouvertement la famille royale. Et il y a des rumeurs comme quoi c'est lui qui aura organisé la rencontre entre Dodi Al-Fayed et la princesse Diana. Et ce qui pourrait aller dans ce sens-là, c'est qu'il dépensait beaucoup de choses pour eux. Que ce soit en bijoux, en restaurant, en hôtel. Tout ce qui était de luxe, il les lui payait. Donc le soir du 31 août 1997, nos deux amoureux sont au Ritz pour manger, pour dîner. Tout a été payé par Mohamed Al-Fayed. Et évidemment, les paparazzi sont devant le restaurant pour les regarder partir, pour voir où ils vont. Bref, ils sont là. Et pour une raison qui nous est toujours inconnue à ce moment-là, les deux quittent le restaurant, passent par une porte arrière, une porte un peu plus discrète, j'imagine, que la porte d'entrée, et s'en vont, encore une fois, pour une destination inconnue. Ils entrent alors dans une Mercedes qui était garée là, qui les attendait, conduit par Henri Paul, qui était le gardien de la sécurité du Ritz, qui était donc engagé par Mohamed Al-Fayed. En plus du couple et du conducteur, sur le siège passager, il y avait le garde du corps de Diana. Ce qui est étrange, c'est que la princesse Diana n'aurait jamais dû se trouver dans cette Mercedes-là, dans cette voiture-là,
Tout simplement parce qu'elle avait un chauffeur attitré et une voiture attitrée. Et le chauffeur de Diana a justement des règles de sécurité des passagers qui auraient fait, vous verrez plus tard, qui fait qu'elle serait peut-être en sécurité aujourd'hui. Donc les paparazzi sont toujours derrière eux, à les suivre notamment en moto, mais aussi certains en voiture. Et ils les suivent de près. Donc le conducteur, pour les semer, il va monter jusqu'à 155 km/h dans les rues parisiennes. Mais malheureusement, la voiture va violemment percuter le 13e poteau du tunnel de l'Alma. Has changed. Yeah. Princess Diana seriously injured. Oh. They've added the word seriously. That's not good. That's not good. In other words, her face got a car. What a bitch of life. Roadside assistance. With loader towing. God. Well, Princess Diana dead. What? Oh, she died. Where's the remote? Oh my. By a hospital employee making a public statement. Princess Diana, at the age of 36, has died of massive internal injuries. She suffered in a car accident along with her companion Dottie Al-Fayed. Ce n'est que des hypothèses, mais s'ils avaient suivi le chauffeur attitré pour Diana, peut-être qu'ils ne seraient pas montés jusqu'à 150 km/h, même avec les paparazzi derrière. Enfin bref. Le chauffeur et Dottie Al-Fayed meurent sur le coup, tandis que le garde du corps est grièvement blessé, mais réussira à s'en sortir. La princesse, elle, est dégagée de l'épave encore vivante et est amenée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mais malheureusement, à 4h25 du matin, elle rend son dernier souffle. La famille royale, qui était en Écosse à ce moment-là, voit la mort de Diana comme un soulagement. J'ai du mal à dire ça, mais comme une victoire, malheureusement. Et c'est donc Charles qui a l'obligation d'annoncer à leur fils que leur mère a péri dans un accident de voiture. William et Harry avaient alors 15 et 13 ans. À ce moment-là, le monde entier pleure sa mort, au point qu'un océan de fleurs s'écoule devant Buckingham Palace et devant Norfolk. La reine, pour protéger ses petits-enfants, va demander à ce que toutes les radios et toutes les télévisions soient enlevées de Buckingham Palace. Et elle refusera toute allocution publique. Et elle refusera même de retourner à Buckingham Palace. Les Britanniques sont perdus par ce silence. Et ils ne comprennent pas le silence de la reine. Ils vont alors commencer à critiquer la couronne, ce qui ne va pas plaire à la reine, qui après 4 jours de négociations avec son premier ministre, va enfin décider de revenir à Buckingham Palace. The Queen was actually extremely nervous because she could feel the hostility, and actually she heard people say, "Oh, well, about time you've come." You know, they can hear an awful lot of things that the crowd say, and then I think a woman actually gave her a bunch of flowers and said, "Would you like me to place it for you?" And the woman said, "No, ma'am, it's for you." Et on la verra s'incliner devant le cercueil quand il passera devant elle. Les funérailles, comme son mariage, sont alors diffusées et regardées par des millions de téléspectateurs. C'est l'image d'une mère aimante et attentive qui restera collée à l'esprit de Diana, ses enfants étant toute sa vie. Passons aux théories. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien prendre en compte que ce ne sont que des théories. Il faut prendre des pincettes, d'accord? Parce que toutes les théories, évidemment, n'ont pas été prouvées. Il y a des théories qui ne sont que des rumeurs. Il y aurait deux théories principales concernant la mort de Diana. Une qui parlerait de vengeance. Et en fait, il faut prendre des pincettes, voilà pourquoi je disais ça. Il faut prendre des pincettes parce que... Il est dit que Mohamed Al-Fayed, donc le père de Dottie Al-Fayed, aurait mis en place la plus grande partie des théories qu'on va voir ici. Donc la première théorie, c'est qu'il y aurait eu une vengeance de la famille royale. Il y aurait eu une vengeance de la famille royale par rapport à Diana. En fait, c'était une théorie qui a été soutenue par un espion britannique qui s'appelait Richard Richard Tomlinson.
Donc la première hypothèse, c'est que la princesse Diana a été assassinée par la famille royale, notamment par le prince Philippe. Et on pense que la famille royale l'aurait assassinée parce que Diana aurait caché une grossesse qu'elle aurait eue avec Dodi Al-Fayed. Et on pense que les deux étaient à Paris aussi pour annoncer leur fiançailles. Ce qui n'aurait pas plu à la famille royale qui ne se voyait pas partager leurs petits-enfants avec un demi-père égyptien. Enfin, c'était pour la famille royale, c'était pas possible, c'était pas imaginable. Et il y aurait aussi la théorie de l'assassinat sabotage, parce que il y aurait eu la présence d'une voiture, d'une Fiat rouge plus exactement, dans le tunnel au moment de la collision. Et on n'a jamais réussi à voir qui était le conducteur de cette voiture. Et on a aussi retrouvé, là encore c'est qu'une théorie, ça n'a jamais été, voilà, mais on aurait retrouvé une rayure rouge sur la Mercedes noire. Donc on aurait pu penser qu'il y a eu une collision avec cette voiture rouge. Peut-être était-ce des paparazzi ou de la famille royale. Mais en 2006, Scotland Yard a démenti ces hypothèses-là, donc la grossesse et la Fiat Panda. Non, la Fiat Uno. La Fiat Uno, pardon. La grossesse a été démentie, l'assassinat venant de la famille royale n'a pas été démenti. Après, ce n'est que mon avis. Après, qui sait, peut-être la famille royale croyait en ces rumeurs de bébés et de fiançailles. Peut-être que les fiançailles étaient vraies, qui sait. Et c'est pour ça aussi, mais bon. Il y a aussi une autre théorie que je voulais parler, qui m'est restée en tête, parce que si c'est vrai, c'est waouh. Mais Harry ne serait pas le fils légitime de Charles. Notamment parce que au moment où Charles a été créé, si je puis dire, Diana était en relation extra-conjugale avec son moniteur d'équitation, si je dis pas de bêtises, Major James Hewitt, qui ressemble beaucoup trop à Harry. En tout cas, Harry ressemble beaucoup trop au Major. En fait, pour moi, je trouve qu'il ressemble autant au Major que à Charles. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions là-dessus. Pour Charles, c'était une obligation de faire des héritiers, mais est-ce qu'il faisait chambre à part? Ils avaient des appartements séparés dans le royaume, dans le château. Ça me paraîtrait pas surprenant, en fait, qu'on apprenne que Harry soit pas de Charles. Même si j'adore cette théorie, en cherchant sur internet, j'ai vu que James Hewitt a justement parlé, s'est prononcé sur cette affaire, et j'ai trouvé cet article, donc je vous laisse lire, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Mais voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire que je trouve dinguissime. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez une histoire que vous aimeriez que je parle, ou des commentaires à faire, je suis tout ouïe. Et en attendant, passez une bonne semaine.